Ce qui est très étrange, c'est qu'il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Quand il ne parle pas, c'est qu'il fait l'acteur. Il fume, sachant que c'est un non-fumeur qui fume, un bavard qui ne parle pas. Ça s'appelle un acteur. Ouais, ça s'appelle un acteur. Et oui, je me répète, mais ce petit regard qu'il a toujours su faire. Ce petit regard qu'il a toujours su faire, qui est un regard d'acteur, c'est-à-dire. Oh, le regard de côté, le regard à gauche, qui n'est pas sur le vide, qui est un peu sur le pavé. C'est adresser à quelqu'un, voilà, c'est ça. C'est ça le secret de l'acteur, c'est s'adresser à quelqu'un. Adresser le regard à quelqu'un. Je pense qu'il a trouvé à qui l'adresser ses regards. Par contre, on ne saura jamais à qui. Ah oui, donc Arnaud parle. Et normalement, je dis ça parce que quand on nous rencontre socialement à deux, c'est moi qui parle et Arnaud qui se tait. Je suis né le premier. Je suis l'aîné. Arnaud est arrivé peu de temps après. Mais maintenant, il y a des moments dans la nuit. C'est la nuit en bois. Et quand on boit, c'est plutôt Arnaud qui parle, et finalement, c'est moi qui me tais. Alors voilà, c'est. Et je sais pas ce qu'il raconte, et personne ne le saura. Alors, notre père est un parleur. Mais non, c'est moi qui le parle. Sans doute qu'on se partage le rôle du père. Et ça, c'est Sornaga. Le jour et la nuit.